on the Odeon label. Puck and Henry Laverne. Same on the other side, different sketch. The Pharmacien on the other side. Accusé, levez-vous. Présent, monsieur le juge. Vos noms, prénoms et qualités. Garcin Lazare. Je ne vous demande pas votre domicile, je vous demande vos noms et prénoms. Ben, je vous l'ai dit, monsieur le juge. Garcin Lazare. Lazare Garcin, si vous préférez. Je ne préfère pas, mon ami, je constate. Par conséquent, Lazare, c'est votre prénom. Quel âge avez-vous? Ah, devinez un peu pour voir. Je ne suis pas là pour trouver des rébus. Votre âge. 48 ans. On me les donnerait pas, hein? Oh, il est agaçant. Votre domicile. Rue Barbe. Je vois, en compulsant votre dossier, que votre mère était romaine et votre père de Vaucresson. Oui, monsieur le juge. Avouez que demeurant rue Barbe, ayant une mère romaine et un père de Vaucresson, j'étais bien fait pour finir dans le panier à salade, hein? Vous n'êtes pas ici pour faire de l'esprit, mon ami. Votre profession. Ah, voilà. J'écris des romans feuilletons. J'ai été traduit 3 fois en anglais, 2 fois en allemand. Et 4 fois en correctionnel. Par des gens incorrects. Et c'est faux. J'aurais de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je mets la main droite et dites je jure. Et je peux pas, monsieur le juge. Comment vous ne pouvez pas? Et je peux pas lever la main droite, je suis gaucher. Ben alors levez la main gauche. Et je peux pas, monsieur le juge. La dernière fois que je l'ai levé, c'était sur un agent de police. On m'a fichu 4 mois de prison. Et passons sur vos explications oiseuses et arrivons au crime épouvantable qui vous amène sur ce banc d'infamie. Le 31 février dernier, vous pénétriez avec effraction à la nuit tombante dans la roulotte de la veuve Grosselle qui tenait un manège de cochon sur le champ de foin. Cette brave femme... Ah, permettez, monsieur le juge. Vous pouvez pas dire que c'était une brave femme puisqu'elle passait sa vie à faire des tours de cochon. C'était beau, cette brave femme, dis-je. Vous ne pouviez que la voler, mais surpris, vous la tuâtes. Je la quoi? Vous la tuâtes. Ah, je la tuâte. Vous l'étouffâtes avec de l'ouate. Vous la sommâtes, vous la sciâtes, la découpâtes en rondelles plates et vous la volatilisâtes avec votre lampe à soudate. Pardon, à souder. Ah ah, mon gaillard. Votre compte est bon. Ah, alors je vais m'en tirer à bon compte. Assez plaisanté. Car sans hasard, l'instant est grave. Votre tête est en jeu. Oh, alors exécutez-moi le plus tard possible, comme le traité de Versailles. Prenez garde, prenez garde. Vous vous moquez de la justice. Vous aggravez votre cas. Oh, oh, vous me dites qu'on va me couper la cabèche et vous prétendez que j'aggrave mon cas. Ah, elle est bien bonne, celle-là. Non, mais faut-il que vous en ayez une couche? Vous dites? Je dis que vous étiez sûrement pas derrière la porte du garage le jour de la distribution. Oh, c'est trop fort. En armes, emmenez l'accusé. Allons, doute. Allez, doute, rompez. Oh, j'aggrave mon cas. Ah, elle est bien bonne, celle-là. Quelle andouille. Non, mais sans blague, j'aggrave...